Mesdames, messieurs et autres, bonjour, bienvenue du coup dans l'AK8, ça peut être... Ah, j'ai un retour, est-ce qu'on m'entend bien? Écran d'attente. Problème technique. Ah. Du coup, nous sommes de retour. Est-ce que cette fois-ci, tout est bon? Alors, on a le retour. Les aléas du direct. Ouais. Vraiment fort. Bon, est-ce qu'on va s'en sortir? Oui, je crois que c'est bon. Là, on n'a plus le retour. Nickel. Dans le chat, est-ce que ça va? N'hésitez pas à nous faire un retour, pour qu'on puisse bien se lancer. Ils n'entendent plus rien. Super, nickel. Merci, Borde Soldat. Merci beaucoup. Déjà, merci de votre soutien. Vous avez été très nombreux à nous regarder la semaine dernière, que ce soit en live ou en replay. Donc, merci à vous. Aujourd'hui, une émission avec quatre chroniques. Éric Tessier qui nous présentera d'abord un personnage romain qui lui est cher. Ensuite, Axel qui parlera du patrimoine nîmois. Moi-même qui vais vous présenter une chronique sur le timbre sous le couvert économique, du culte du chef et de la guerre froide. Et Tom qui nous présentera la suite de la chronique de la semaine dernière sur la naissance du cinéma d'animation allemand et sa relation au pouvoir. Du coup, Éric Tessier, c'est à vous la parole. Eh bien, bonjour à tous et à toutes et à tous. Eh bien oui, effectivement, je vais parler aujourd'hui d'un personnage historique qui me tient à cœur. Je pense que vous allez le voir à l'écran. Je tourne vers la technique. C'est bon? Ok. Donc ce personnage, en fait, on ne sait pas grand-chose sur lui, mais ce n'est pas une raison pour pas imaginer ce qu'il a pu être. C'est un personnage dont la stèle funéraire, la représentation, se trouve actuellement au Musée de la Romanité de Nîmes. J'espère qu'on pourra le revoir bientôt, donc il me manque un peu, parce que j'aime bien lui dire bonjour de temps en temps. Ce personnage, en fait, vous voyez, il s'appelle Macrinus. Alors non, on va revenir un peu à la première diapo, alors, on est déjà sur l'épigraphie. Donc ce personnage, il s'appelle Macrinus, c'est un officier romain, et il est dans son monument funéraire, accompagné par son épouse. Donc c'est une stèle funéraire, ce sont deux aristocrates gallo-romains, on va voir pourquoi, qui ont vécu à Nîmes, et il y a quelques éléments donc biographiques qui sont indiqués sur cette tombe. Alors on va zoomer sur l'inscription qui est au-dessous des deux bustes. Donc cette inscription, on va rapidement l'expliquer. D'abord DM, ça veut dire Dies Manibus, ça veut dire c'est une stèle funéraire qui est dédiée au dieu man de ces deux personnages, c'est-à-dire le génie personnel quelque part. L'âme de ces personnages. Ensuite, on a à gauche les éléments qui concernent donc Madame Macrinus. On a son nom, donc c'est Licina F. Alors, il y a beaucoup d'abréviations dans les inscriptions romaines. Ça veut dire filia de L, c'est-à-dire Lucius. Et donc, son nom, c'est Licinia Flavilla. Donc, c'est Licinia Flavilla, fille de Lucius. Ça veut dire que c'est une aristocrate romaine. Elle a la citoyenneté romaine. Et surtout, on nous indique quelle était sa fonction dans la ville, Flaminique Augustae, c'est-à-dire grande prêtresse du culte impérial, dédiée notamment aux impératrices. On a appris ça comme ça. C'est-à-dire que c'était la seule fonction de magistrat, d'une fonction politique honorifique qui était réservée aux femmes dans les cités romaines, donc ça veut dire qu'elle était
sommet de l'aristocratie. Ça veut dire qu'elle dans la maison carrée de Nîmes, qui est toujours debout, elle officiait pour un culte dédié aux impératrices divinisées, et elle devait, en tant qu'aristocratrice, offrir des jeux, des cérémonies pour le peuple. Donc c'était assez coûteux, mais très honorifique. À son côté, on a l'inscription de son mari. Alors, l'inscription est intéressante, elle est assez complète, elle nous dit « Sextus Agenius », c'est marqué en rouge, « Macrinus ». Alors, comme toujours dans les inscriptions donc romaines, on a les trois noms quand c'est un citoyen romain, c'est le cas ici. « Sextus », c'est le prénom, les « sex », on comprend que ça veut dire « Sextus ».« Agenius », c'est le nom de famille, et là, c'est très intéressant, parce qu'Agenius est un nom gaulois, ou plus exactement, un nom gaulois romanisé. On a une inscription en gallo-grec, à Nîmes, où il y a marqué Agenos, et qui date de 200 ans avant cette stèle. Donc il est très probable que cet Agenos gaulois, volcariconique de Nîmes, était l'ancêtre de cet Agenus, qui entre-temps est devenu citoyen romain, et a romanisé son nom. Et Macrinus, c'est le surnom, c'est le nom le plus commun, celui qu'on utilise pour désigner un personnage. Alors il nous dit Macrinus, parce qu'il en est très fier, ce qu'il a été pendant sa vie. Il a été tribun, c'est-à-dire tribun militaire, de la Lexis Vic, ça veut dire de la 6e Légion Victrix, une légion dont on sait qu'elle était stationnée donc sur le Rhin, Allemagne aujourd'hui, entre 70 et 120, donc déjà ça nous situe, par rapport au style aussi de l'inscription, l'époque, on peut imaginer que ce Romain de Nîmes a fait un service militaire, a été officier, tribun militaire, ça commande une cohorte, hein, c'est à peu près 500 hommes, ça serait un commandant ou un colonel aujourd'hui, et donc c'est son passé militaire qui est évoqué. Mais aussi son passé politique, il est quaturvir, c'est-à-dire les quatre hommes qui géraient la ville, c'est-à-dire quatre magistrats, quatre maires si vous voulez, et affecté iuridicundus, c'est-à-dire qui était surtout affecté à la justice. C'est un homme politique qui faisait aussi office de juge dans la cité. Il était aussi pontife, c'est-à-dire prêtre du culte impérial, comme sa femme, et praefectus fabrique, c'est-à-dire préfet des ouvriers. Alors c'est une fonction romaine un peu difficile à cerner, elle peut être aussi bien une fonction administrative à Rome, donc ça veut dire qu'il aurait eu une action à Rome, ou alors un officier qui aurait géré donc le génie militaire dans sa légion. Peut-être un spécialiste des catapultes et des balistes. Donc voilà, ça on ne sait pas trop, mais ça veut dire qu'il était quand même à un certain niveau intéressant donc dans la hiérarchie à la fois militaire, politique, locale et romaine. Et ça nous montre la romanisation, ça nous montre que des élites d'origine gauloise pouvaient tout à fait avoir leur place dans cet empire romain. Alors, si on voit donc la diapo suivante, on a là aussi une indication avec cette stèle, on a retrouvé aussi une autre inscription qui nous dit que ce sont les enfants de Flavilla et Macrinus qui ont offert cette stèle à leurs parents et ils s'appelaient Sextus Agenus Solutus, c'est-à-dire qu'il reprend le même prénom, il a le même nom de famille, Agenus, et le surnom Solutus. Et la fille, Agenia Licinilla, donc Agenia, elle a repris le nom de famille aussi de son père, donc c'est une citoyenne romaine. Alors, regardons maintenant un peu plus en détail les bustes, les portraits de ces deux personnages. Donc, on a donc la femme, on a l'homme, on n'a pas la date de cette époque-là, mais comment pouvoir préciser, comment pouvoir dater à peu près donc la période d'un tel monument? Eh bien, les coiffures sont importantes. On est coiffé à la mode à cette époque-là, on est coiffé à la mode des empereurs et des impératrices. Donc, si on voit cette diapo, on voit qu'à côté de Macrinus, on a, j'ai mis le buste d'un empereur qui était certainement contemporain, pour lequel il a dû peut-être combattre, c'est l'empereur Trajan, on est au début, tout début du IIe siècle après Jésus-Christ, c'est l'époque où on est en train d'achever ou de construire l'amphithéâtre de Nîmes, un moment très important pour Nîmes, et c'est un moment où des Nîmois ont des relations assez précises avec le pouvoir, le sommet du pouvoir à Rome, et donc lui, en officier de l'époque de Trajan, il s'est fait faire la coupe à la Trajan. Alors, là, son épouse, c'est pareil. Ben, son épouse, elle a cette coiffure qu'on appelle un nid d'abeille, extrêmement complexe. En fait, c'est un postiche, c'est une perruque pour pouvoir mettre ça dans les grandes occasions. Et elle est à la mode des entrées impératrices de son temps. Là, c'est typique de la fin de l'époque flavienne, juste avant Trajan. C'est la mode donc de l'impératrice
Longina, donc c'est la femme de Domitien, et donc elle est donc représentée comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment à Nîmes on connaît les coiffures des impératrices? Comment on peut être à la mode? Est-ce qu'il y a un gala de l'époque? Ben oui, il y a un gala de l'époque, c'est les Monets. Les Monets permettent justement, elles sont frappées très, très régulièrement, chaque année il y a plusieurs séries monétaires, et comme ça représente les empereurs et les impératrices, on peut être au goût du jour, et on voit que Flavilla, très coquette, a voulu être justement à la mode de la femme de Domitien. Donc on est bien fin de premier, du 1er siècle, début du 2e siècle après Jésus-Christ. Alors, si on continue, on peut détailler certains éléments de cette stèle. On voit qu'il y a sur la gauche un élément où on dirait des épivets. En fait, c'est plutôt une lance honorifique qui était donc une sorte de décoration qu'on avait attribuée, donc des décorations militaires attribuées à Macrinus. Et si on regarde sur le côté droit de la stèle, on voit le détail qui est découpé, eh bien on a là un faisceau de victeur. Le faisceau de victeur, c'est ce symbole fort de la République romaine, qui remonte même aux Étrusques, qui était porté par des licteurs, c'est les petits personnages que l'on voit qui sont des appariteurs, ils étaient là pour précéder les magistrats. Ces faisceaux montraient qu'ils avaient le pouvoir de frapper les contrevenants, même s'ils étaient des citoyens, et parfois même de leur couper la tête, quand on avait un faisceau armé. Là, c'est un faisceau municipal, notre Macrinus est juge, mais il n'avait pas le pouvoir de faire exécuter des citoyens, ça, il fallait monter au niveau au-dessus, au niveau du gouverneur, donc à Narbonne, voire à Rome, pour être jugé en appel. Donc on a là, vous voyez, sur cette stèle, différents éléments très intéressant du mode de fonctionnement de ces élites de l'époque. Alors, on voit un autre détail, un détail qui est important. Notre Macrinus a choisi de ne pas être représenté en toge, mais plutôt dans un costume militaire. On a cette cuirasse typique des officiers de cette époque-là. On appelle ça des cuirasses musclées, musculata. On ne sait pas trop si elles étaient en métal ou en cuir, décorées de métal, et avec une sorte de gorgone qui est sur le pectoral, qui était en bronze. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose que l'on peut reproduire, c'est quelque chose qu'on peut voir. Donc à quoi ça pouvait ressembler? Ben, ça ressemble à peu près à ça. En tout cas, c'est l'hypothèse de reconstitution que j'ai pu faire, parce que, comme on l'a dit, ce petit Macrinus, il est cher à mon cœur, puisque en temps normal, hein, en épidémie, 2 à 3 jours par an, je suis Macrinus dans les arènes de Nîmes. Donc voilà, incontestablement, il y a un air de famille. je pense être un descendant direct, en fait, de Macrinus. De toute façon, si on compte le nombre de générations qu'il y a entre-temps, sachant qu'il a pu faire souche, ben, il a de nombreux descendants. Alors pourquoi pas moi, hein, franchement. Donc on a ce Macrinus. Voilà, l'idée c'est quoi? Ben, l'idée c'est pas non plus de dire je suis Macrinus et de me balader comme ça chez moi. Non, c'est pas ça. L'idée c'est d'essayer justement de faire vivre le patrimoine, c'est ce qu'on appelle le patrimoine vivant. Ça sert à ça, la reconstitution historique, qu'on va voir la suite. Ben, c'est de pouvoir, dans les grands jeux romains, l'idée depuis ans que l'on fait cette reconstitution, c'est de dire, ben voilà, nous sommes au début du 2e siècle avant Jésus-Christ, il y a un empereur qui vient donc à Nîmes, c'est Adrien, son règne, et donc il pourrait y avoir un général romain qui accompagne Adrien, ou qui le reçoit, puisque c'est un notable de cette époque-là, et donc il a fallu que ça tombe sur quelqu'un, c'est tombé sur moi. Donc voilà, chaque année, je me retrouve sur mon cheval, j'ai appris à monter exprès pour ça. Donc chaque fois, je me dis, le cheval, il vient dingue, parce que il y a beaucoup de monde, hein, 12 000 personnes, il tourne en rond, je dis, je vais me casser la figure, mais en même temps, ben voilà, je laisserai ma place, même pas pour un empire, fut-il romain. Donc ce Macrinus, ben voilà, il a de bonnes relations avec l'empereur, donc ici, là, c'est Adrien, mais bon, on aurait pu mettre sur Trajan. Donc Trajan, on ne sait pas s'il est venu à Nîmes. Adrien, c'est sûr, il est venu à Nîmes en 122. Et donc voilà, les deux ont pu se rencontrer, ont pu être contemporains. Et donc, Macrinus va faire ce qu'il pouvait faire à l'époque, c'est-à-dire faire manœuvrer des légions. C'est ça, les grands jeux romains. Ça me manque beaucoup, en tout cas moi, ça me manque beaucoup. C'est faire venir 500 reconstituteurs de toute l'Europe, notamment des Français et des Italiens, pour pouvoir donc reconstituer des choses de cet ordre-là, c'est-à-dire faire entrer des légions, les faire manœuvrer, ces 30 groupes différents.
Et donc, c'est la magie des grands jeux romains de pouvoir utiliser donc, le savoir-faire de ces groupes qui fonctionnent généralement chacun de son côté, mais là, les regrouper ensemble, ben, ça permet par exemple de faire une tortue romaine, qui est avec bon, 150, 180 légionnaires suivant les années, c'est-à-dire certainement la plus grosse tortue romaine qui a jamais été reconstituée, et ça, c'est un des éléments qui permet de faire entrer le public dans cette magie des grands jeux romains, c'est-à-dire de ramener donc 3 fois 12 000 personnes dans l'époque du IIe siècle, début du IIe siècle, quand les arènes de Nîmes étaient toutes neuves, et donc essayer de leur proposer quelque chose qui pouvait être au plus près de la réalité. C'est pas le plus du fou, chaque fois que je le dis, j'adore le plus du fou, je suis fan, mais il fallait faire autre chose, et cette autre chose, c'est de la reconstitution, et partir de quelque chose qui est authentique, ben les arènes, Magnus, eux, ils sont incontestables, on ne sait pas tout sur eux, on ne sait pas exactement tout ce qui se passait dans les arènes, tout ce que faisait Magnus, mais c'est une proposition, et le public adhère, parce que c'est à la fois spectaculaire et didactique, c'est vraiment un peu le but du jeu. Ben, c'est ça l'histoire, c'est ce que nous faisons ici, l'histoire vivante, on essaie donc d'apporter cette connaissance au public. Et donc, Magnus, où est-il maintenant? Peut-être qu'il chevauche vers de verts pâturages avec le soleil dans les yeux. Je n'en suis pas effrayé, puisque bon, ça veut dire que je serais déjà mort. Bon, c'est pas le cas encore maintenant, mais lui, c'est le cas. Et donc voilà, c'est un peu cette image que j'espère retrouver, et on est beaucoup à espérer retrouver, de faire revivre Acrimus et bien d'autres personnages. Normalement, le thème, c'est toujours prévu pour le mois d'octobre, c'est César et Pompée. Et là, on va assister à un étrange moment de schizophrénie historique, puisque je vais commencer en étant Macrinus et je vais finir Pompée. C'est comme ça que je vais incarner mon Rome l'année prochaine, enfin cette année, dans les arènes. Merci de votre attention et j'attends vos questions. Oui, bah oui, du coup, évidemment, s'il y a des questions dans le chat, des retours, n'hésitez pas à nous faire passer. On a des petits commentaires sympas, la ressemblance est frappante, effectivement. S'il y a des questions même entre nous, entre vos atomes, n'hésitez pas. Ah, peut-être juste noter pour les gens éventuellement qui nous regarderaient et que ça pourrait intéresser que l'histoire vivante, c'est une valeur qui est importante à Nîmes, aussi bien auprès des profs que nous en tant qu'étudiants et même dans l'asso en général, et qu'il y a quand même un master en histoire vivante qui est, si je ne me trompe pas, le premier en France, qui va ouvrir à Nîmes l'année prochaine. Absolument. Donc c'est la grande nouveauté. Ça fait 20 ans, on peut dire, qu'on essaie de nourrir ça. Maintenant, ça y est, c'est parti. Histoire vivante, master d'histoire vivante, oui, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors, c'est, dans l'esprit, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps chez les anglo-saxons, c'était public history. Alors moi, je ne voyais pas mettre un nom anglais, donc un master en France. Je voyais encore plus mal appeler ça histoire publique, parce que ça ne veut pas dire grand-chose en français. Donc l'idée, c'est histoire vivante, histoire pour tout le monde, pour tous. Et donc, amener l'histoire par des historiens à ceux, ben, justement, qui ne le sont pas, mais qui aiment l'histoire et qui voudraient justement le faire de différentes façons, le spectacle historique, la reconstitution, les documentaires historiques, le roman historique, tout ça fait partie de ce monde-là. C'est un peu aussi pour ça que j'ai choisi Macrinus pour ma chronique, parce que j'ai en ce moment-là que ça me manque finalement, mais je n'ai pas été dans les arènes avec lui, mais je suis en train d'écrire un roman historique sur lui, sur Macrinus. Donc voilà, c'est une des façons de rendre l'histoire vivante, et autant que ce soit fait avec les historiens, et ça, on l'étudiera donc ensemble avec les étudiants qui viendront pour faire ce master à Nîmes au mois de septembre de cette année. Et ben justement, à propos de l'histoire vivante, il y a Alexis dans le chat qui fait un peu de pub pour votre association, la Luca Romana. Est-ce que vous voulez passer un petit mot pour votre association? Bien, bonjour Alexis, et merci de cette allusion. Ben oui, donc on ne ferait pas les grands jeux romains sans ces 30 associations de reconstitution historique. C'est pas des gens qui se déguisent, ne dites jamais un reconstituteur qui est déguisé, surtout s'il a un glaive. J'ai une massue ou une mitrailleuse, c'est bon, c'est bien tout ça. Donc, non, on est costumé, ou on est en uniforme, il y a différentes terminologies sur les époques, et ces 30 associations françaises et italiennes, mais il y en a une qui est, entre autres, qui est gardoise, la mienne, donc, c'est la Lorica Romana, qui est basée à Conques, un petit village qui n'est pas très loin de Nîmes, qui est une association qui fonctionne très très bien, qui a, j'en discutais, qui est vraiment, donc, son intérêt, c'est qu'il y a tous les âges. On a des enfants qui viennent avec leurs parents, puis notre doyen, il a 83 ans, puis on a tous les âges entre-temps. On a des étudiants d'histoire, donc c'est, qui,
d'ailleurs de plusieurs promotions qui sont là. Donc ça donne évidemment une valeur très didactique, et c'est le but de cette association, et comme elle est assez nombreuse, on peut aligner jusqu'à 30 légionnaires, elle est un peu le noyau dur des grands jeux romains autour duquel se bâtit, donc je bâtis la mise en scène de ça. Donc l'Aurica Romana, vous pouvez trouver rapidement ça sur le net, engagez-vous. Ben, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de questions que ça, donc je pense qu'on va rediriger la parole. voilà. Axel, peut-être du coup ta rubrique sur le patrimoine Virginie et moi. Avant de te présenter, parce que c'est des gens qui te connaissent. Bien sûr, c'est vrai. Axel, qui es-tu? Alors, je suis un étudiant en première année d'histoire, donc à Nîmes, bien sûr. J'ai eu le plaisir de suivre les cours de Monsieur Tessier également. Et au-delà de suivre la licence Histoire et Patrimoine, qui est fort intéressante et que je recommande, placée subtilement, disons que mon activité principale se situe autour du patrimoine, quel qu'il soit. D'où la chronique patrimoine que j'aimerais animer maintenant à long terme au sein d'association et au sein de Twitch. Voilà. Vas-y, je t'en prie, lance ta première sur le patrimoine. Donc, le patrimoine occitan sera un peu mon arche de commencement. Donc, j'ai décidé pour aujourd'hui de porter sur Nîmes, tout simplement parce que c'est la ville où nous sommes actuellement. C'est une ville riche d'histoire et c'est aussi celle que j'ai le plus étudiée, on va pas se mentir. Donc, voilà. Donc, une question déjà très simple à aborder pour tous, parce qu'on n'est pas tous néophytes en la matière, c'est qu'est-ce que le patrimoine? Le patrimoine, c'est quoi, vulgairement? Donc, en fait, on distingue deux patrimoines. Il y a le patrimoine qu'on peut qualifier de matériel et immatériel. Mais généralement, le patrimoine, c'est culturel. Tout tourne autour de la culture. Donc, simplement, je vais vous lire la définition officielle pour que ce soit clair pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de méprise ni de questionnement par la suite. Donc, le patrimoine culturel se définit comme l'ensemble des biens, matériels ou immatériels, comme j'ai dit avant, ayant une importance artistique, historique, certaine, qui appartient soit à une entité privée, personne, entreprise, association, soit à une entité publique, commune, département, région, pays. Cet ensemble de biens culturels est généralement préservé, restauré, sauvegardé et montré au public, soit de façon exceptionnelle, comme les journées européennes du patrimoine qui ont lieu un week-end au mois de septembre, soit de façon régulière, château, musée, église, gratuitement ou contrairement moyennant un droit d'entrée et de visite payante. Donc voilà, simplement je pense que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, je pense que déjà les gens avaient une petite idée, mais on a élucidé certaines choses. D'autre part, on va élucider la question du patrimoine dit matériel et immatériel aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc le patrimoine dit matériel, c'est surtout constitué de paysages construits, de l'architecture, de l'urbanisme, de sites archéologiques, de géologie, enfin de sites aussi géologiques, de certains aménagements et espaces agricoles ou forestiers, d'objets d'art, mobilier, du patrimoine industriel, outils, instruments, machines, bâtis. Ça, c'est exclusivement pour le patrimoine dit matériel, en tout cas la définition officielle. Pour le patrimoine immatériel, il peut revêtir différentes formes, c'est-à-dire ça peut être les chants, les coutumes, les danses, les traditions gastronomiques, les jeux, les mythes, les contes, les légendes, les petits métiers, les témoignages, les captations de techniques et de savoir-faire, des documents écrits, archives, dont actuellement audiovisuels depuis quelques temps maintenant, hein, on va dire. Donc voilà. Donc simplement pour terminer avec la définition du patrimoine, le patrimoine fait appel à l'idée d'un héritage légué par les générations qui nous ont précédés et que nous devons transmettre intact ou augmenter, enrichi aux générations futures, ainsi qu'à la nécessité personnelle du droit d'user et d'abuser, selon le droit romain, de ce patrimoine. Il relève du bien public et du bien commun, bien sûr. Donc moi, j'ai souvent ce petit adage de dire, mais ça m'est personnel, je pense qu'il est généralisé pour tous, le patrimoine, il est pour tous, il appartient à tous, même le patrimoine privé, et les propriétaires, que ce soit public ou privé, n'en sont que les gardiens. Donc voilà, ça c'est mon petit truc quand je vais sur les sites patrimoniaux pour donner envie. Donc, voilà. Et pour remettre à la place aussi des fois, certaines personnes. Donc, dans le chat, on s'excuse au monde. C'est pas contre vous. Maintenant, je vais attaquer Nîmes. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, pour vous expliquer un peu mon plan, je vais pas rentrer vraiment dans le détail pour le moment, je vais simplement le survoler. Je pense que la plupart des gens qui sont ici actuellement, j'espère, connaissent un petit peu Nîmes, même de nom. Donc, je vais simplement vous parler de ces grandes périodes, si on peut dire, et
certains de ses plus gros monuments, en tout cas, ou ceux qui sont, en tout cas, les plus majeurs. Donc, voilà. L'origine de Nîmes remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle est issue d'une tribu celte, les Volts Arécomiques. Elle s'installe autour d'une source généreuse, donc voilà, c'est la source en fait qui se trouve au jardin de la Fontaine, mais je l'évoquerai juste après. Et donc, à ce moment-là, à cette époque-là, il lui consacre un sanctuaire duquel ils vont évoluer autour. Donc voilà, j'avais aussi un apport aussi sur le patrimoine que j'ai oublié de vous mettre en plus, mais ça fait pas de mal. Le patrimoine est aussi décliné en plusieurs espèces de patrimoine. On a le patrimoine architectural, comme j'avais déjà dit, industriel. Ça, c'est ce que j'ai pas mis aussi. Le religieux, le culturel, immatériel, etc. Les arts, on en a déjà parlé. Religieux, il est très important aujourd'hui parce qu'on voit que malheureusement tous les lieux culturels, patrimoniaux bien sûr, sont un peu abandonnés aujourd'hui, qu'on soit croyant ou non. Je pense que c'est du devoir de tous de s'en préoccuper, si je puis dire. Donc voilà. Agricole, le patrimoine rural aussi, qui est de plus en plus, notamment sans trop citer de nom, avec la mission Berne revenue au bout du jour. Donc voilà. Vernaculaire, ça c'est un terme qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, le patrimoine vernaculaire, et le patrimoine maritime, donc on est dans le patrimoine naturel, très clairement. Donc ça c'est la liste en fait qui a été établie par l'UNESCO, pour que ce soit clair pour tout le monde. Pour revenir sur Nîmes, donc après avoir évoqué les Volcs, donc la source de Nîmes qui est la base de tout, elle est colonisée, si on peut dire, par les Romains, elle va devenir une colonie romaine. Et la tribu gauloise, en fait, de la Narbonnaise, la région où se situe, du coup, la Nîmes, qui sera renommée Nemosus, est la ville la plus vaste de Gaule, au niveau de sa superficie, et compte environ 20 000 habitants à son apogée. C'est-à-dire, à titre de comparaison, pour donner un exemple, elle est un peu plus grande, voire également, au chiffre, elle est un peu égale, à Lugdunum, en fait, qui était Lyon. Donc voilà. Elle compte, donc à la même époque, environ 5000 habitants. Les monuments, donc, sur l'ère antique romaine, à Nîmes, on trouve la Tour Magne, on trouve les portes de France, la Maison Carrée, le temple dédié au culte impérial sur le Forum, le Castellum, donc c'est le point d'arrivée de l'aqueduc, dont on connaît surtout le pont du Gard, l'amphithéâtre, donc les arènes, en soit, le temple de Diane, le Niphée. Donc le Niphée, en fait, c'est la source de Nîmes, qui est sacrée chez les Volcs, je me fais corriger, dans Sainte Romaine. Monsieur Tessier, pour faire des précisions, je pense à la oui. détail. Je ne suis qu'un jeune néophyte. L'enceinte romaine, du coup, qui était avant l'Oppidum, c'était en fait les murailles, les fortifications, qui avait été érigé sous le règne d'Auguste, si je ne dis pas de bêtises, et qui entourait Nîmes, en fait, et qui sont restés pendant très longtemps. Donc aujourd'hui, on n'a plus aucune trace, et les dernières traces qu'on avait sont enfouies sous les jardins de la Fontaine, les terrasses des jardins de la Fontaine. Donc voilà. Je vais expliquer très brièvement ce qu'est un oppidum, parce que ça ne doit peut-être pas parler à tout le monde, même si j'ai le mot mirail. En fait, pour faire simple, pour la définition nîmoise, les fortifications de Nîmes n'étant plus d'aucune utilité, donc là je vais parler très clairement de leur fin, contribuant beaucoup à rendre la ville insalubre et étant en outre une cause de dépenses excessives, qui en fait endommageait énormément les dépenses municipales, le conseil demanda, donc là on fait un bon entend, en 1774, la démolition des remparts. Donc eux ils qualifient ça de remparts, pas de murailles. Mais ce ne fut qu'en 1785 que le roi autorisa leur démolition. Et c'est au cours de la Révolution seulement que disparurent les fortifications de Nîmes qui avaient été dotées au Moyen-Âge sous Louis XIV. Voilà. Le Moyen-Âge, donc, à Nîmes. Au 8e siècle, la ville est repliée sur elle-même. Sa taille est réduite à presque un dixième de la cité romaine. L'insécurité grandissante contraint la population à se réfugier dans l'amphithéâtre et à le transformer, donc l'amphithéâtre c'est les arènes, je rappelle, en forteresse en cas de danger. Les remparts romains, donc l'oppidum, servent de carrière où chacun vient se servir. Différents quartiers, dont celui de la Fontaine, sont abandonnés. À partir de l'an 1000, Nîmes sort de sa léthargie. Une nouvelle enceinte est construite grâce à la vigne, à l'olivier et à l'élevage du mouton. Les échanges commerciaux redémarrent. Et là encore, la source intervient. Ces eaux qui courent et parcourent la ville
vont durant pendant plusieurs siècles amener la prospérité aux tanneurs, aux teinturiers, aux marchands d'étoffes. Donc, pour revenir sur le petit épisode des arènes, l'amphithéâtre, au Moyen-Âge, le monument qui est l'amphithéâtre est transformé en forteresse. Il constitue un refuge pour la population en cas de péril. Plus tard, l'intérieur sera occupé par des maisons privées jusqu'au XIXe siècle. En 1809, maisons, chapelles, ainsi que le château des vicomtes de Nîmes seront démolis pour redonner au monument son apparence antique. Donc voilà. À partir de la Renaissance, donc on fait un petit bond encore une fois, le commerce, les guerres de religion permet la construction de flambants hôtels particuliers, notamment grâce au commerce d'étoffes permettant la confection de bas de soie, ainsi que le commerce des châles. Parmi ces hôtels particuliers, on trouve l'hôtel de Fontfroide, l'hôtel Rochemort et le château de Falaise, qui n'en est pas vraiment un en réalité, mais qui est assez grand et qui est considéré comme un petit château, si on peut dire. Donc, entre le XVIIe et le XVIIIe, donc on avance un petit peu, on voit fleurir des églises dans tout Nîmes. Le patrimoine culturel existe déjà, mais en très faible quantité. Donc, c'est un flot de ces lieux religieux chrétiens qui se fait successivement dans toute la ville au fur et à mesure de son expansion. Parmi ces lieux cultes, pour n'en citer que quelques-uns, on trouve l'église de Saint-Paul, l'église Saint-Boudille, l'église Sainte-Perpétue, Sainte-Félicité, qui n'est qu'une seule et même église, la cathédrale Notre-Dame Saint-Castor, qui en fait est à la base une église romane, qui deviendra ensuite, avec des aménagements successifs, une église de style néoclassique, et sera habillée en 1892 par un architecte de l'intérieur, en style romano-byzantin, qui est encore actuel aujourd'hui. On retrouve aussi la chapelle des Jésuites, la chapelle Saint-Eugénie. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la chapelle Eugénie, elle n'est pas datée, donc elle est très ancienne en réalité par rapport à tous ces cultes-là. Le seul rapport écrit qu'on ait nous la date à peu près de 1956. C'est le seul rapport écrit qu'on ait, preuve tangible de son existence, mais on estime qu'elle est encore antérieure à cette date-là. Donc ça reste encore une question à élucider pour les passionnés de Nîmes et les historiens, si je puis dire. Donc là, on va venir vraiment sur quelque chose de plus actuel. Au-delà de cette énumération de monuments, donc, que maintenant vous connaissez, Nîmes n'a toujours pas eu autant d'attention pour ses monuments. En effet, par manque de moyens financiers et de connaissances, le patrimoine s'est peu à peu dégradé en l'état. Hein. On pouvait qualifier certains monuments malheureusement de ruines jusqu'aux années 60-70, où on a pu observer un certain regain d'intérêt, en fait, économiquement parlant, bien sûr, pour le tourisme, etc., mais surtout culturellement. Ça, il ne faut pas l'omettre, parce que les Nîmois ont toujours été très fiers de leur patrimoine, et à raison. On a stocké, archivé, certaines des pièces archéologiques romaines qui sont actuellement au musée de l'Humanité, mais qui, à l'initial, se trouvaient dans l'ancien musée de la Maison Carrée, parce que oui, la Maison Carrée a servi de musée. Elles sont passées ensuite dans les mains du musée archéologique, le musée lapidaire, en fait, de Nîmes, les sciences naturelles, et donc maintenant dans le musée de l'Humanité. Même si on a perdu certaines pièces, parce qu'il y a eu quand même des jeux, des passes, si on peut dire, entre ces artefacts romains, et donc on a eu des pertes, des vols aussi, des cassures, si je puis dire. Donc voilà. Mais la ville a su quand même bien préserver son patrimoine, parce que c'est véritablement, sans faire pub quelconque, politique, sous le mandat de l'actuel maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, que le pied à l'étrier a été mis à la sauvegarde et à la conservation et entretien des monuments et édifices historiques, qui composent notamment l'écrin magnifique des Nîmes, autant sur le patrimoine que l'on peut qualifier de romain, antique, et qu'il soit, autant sur les restes qu'on a du Moyen-Âge, donc culturels, et ce qu'on a actuellement aujourd'hui, qu'on peut qualifier de moderne, voire contemporain. Donc voilà. Il y a aussi eu, à ce niveau-là, un regain d'intérêt pour la culture antique et romaine à Nîmes, dans le début des années 2000, en fait. Hollywood a bien aidé, on va pas se mentir, et la sortie de films traitant un peu, c'est des sortes de péplum, mais New Age, quoi. On a eu Gladiator, Percy Jackson, par exemple, 300, pour ne citer que, et ça a bien aidé, effectivement, la ville à se développer, les gens ont un regain d'intérêt pour tout ce qui était les antiquités, les monuments de style antique, romain notamment, et la ville, on a été orthèse pendant très longtemps. En 2018, pour preuve de volonté des Nîmois et de la municipalité de faire renaître et connaître encore plus le patrimoine nîmois, qui est déjà assez réputé, la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO a été lancée. Bon,
Elle a été déboutée, malheureusement. Ça, c'est, ça reste dans les dossiers. Mais la promesse d'une nouvelle candidature est faite pour 2023. Donc, je pense qu'on a peut-être une chance pour Nîmes et pour tous les passionnés, les Nîmois qui aiment leur vie et leur patrimoine, d'avoir quelque chose de probant, je l'espère. Et donc, moi, ma chronique s'arrête ici. Et affaire à suivre, comme je dis. Voilà. Je ne sais pas si, du coup, vous avez des questions, des remarques. Bah, écoutez, dans le chat, si vous avez des réactions, n'hésitez pas à les faire. On attend peut-être des réactions. Éric Tessier. Juste une petite remarque, oui, parce que là, tu utilises un terme qui est juste pour l'époque, le terme de colonie. C'est une colonie romaine. Et il faut préciser, parce que comme je dis souvent en cours, les termes de l'Antiquité sont souvent des faux amis. C'est vrai que quand on parle de colonie, on projette surtout les colonies du XIXe siècle, XXe siècle, le colonialisme, donc quelque chose qui est péjoratif. Il faut comprendre qu'à l'époque, colonie romaine ou latine, c'est un honneur. C'est-à-dire, on est très flatté d'être colonie romaine ou latine. Alors après, bon, c'est un débat d'historien, on dit oui, colonie romaine, c'est mieux que colonie latine. Mais en gros, la différence, c'est quoi? Parce que dans une colonie romaine, tout le monde est romain. Dans une colonie latine, c'est un ascenseur social, c'est-à-dire qu'il suffit de faire des magistratures, comme notre bon Clémus, c'est-à-dire participer à la vie politique de la cité, et on devient, si on n'est pas encore, citoyen romain. Voilà, une machine à assimiler. L'autre avantage, c'est que dans une cité latine comme Nîmes, eh bien, on a une autonomie. C'est-à-dire que comme on n'est pas tous romains, on ne dépend pas tous des lois romaines, et donc on juge localement. Quoi. On est soumis à une loi locale. Bon, après, on peut évidemment, pour les cas graves, ça se passe à Narbonne, mais on a cet élément d'autonomie. Donc, pour les Nîmois, qui sont colonies latines assez tôt, hein, je veux dire, probablement donc avant César ou avant César, en tout cas dans ces eaux-là, c'est quand même plutôt un privilège. Le grand avantage aussi par rapport à Arles, qui est colonie romaine, c'est que dans une colonie romaine, on installe des vétérans d'une légion, et puis c'est pour toi de là que je m'y mets. C'est-à-dire qu'on prend les bonnes terres et les indigènes sont priés d'aller un peu dans les collines, quoi. Donc, tandis que dans une colonie latine, comme Nîmes, contrairement à la légende, il n'y a pas eu de colons romains, on n'a pas installé des vétérans, mais c'est des Gaulois, comme les ancêtres de Macrimus, qui se sont eux-mêmes romanisés, qui étaient des alliés des Romains. Il n'y a pas de raison de les punir. Et donc, c'est pour ça que Nîmes est une ville qui a un certain prestige, quoi, qui a cet intérêt-là. Alors après, autre remarque de détail, c'est vrai, il faut toujours faire attention donc, aux populations qu'on attribue aux villes. C'est des estimations, on n'a aucun texte. Voilà, donc, bon, moi, je cite dans mon bouquin sur Nîmes justement cette fourchette-là, 17 000. Comment j'ai fait? Vous voyez, c'est vraiment du bricolage. C'est-à-dire que je prends l'époque de Louis XIV, où l'empreinte urbaine est à peu près la même que l'empreinte de Nîmes à l'époque romaine de son apogée. Et à Louis XIV, on sait combien, pour parler des registres fiscaux, on sait qu'on est dans cette fourchette-là. Vous voyez, ça vaut vraiment ce que ça vaut. Quoi. Bien sûr. On ne sait pas si la densité est la même, etc. Après, dire que Nîmes est plus ou moins égal à Lyon, c'est très difficile, donc il faut en faire une hypothèse. Il y a la même parure monumentale, donc ça veut dire qu'elle est à peu près complète. Mais c'est très difficile après de dire le poids démographique de chaque cité. Voilà. C'est une petite réserve, remarque que je voulais faire. Voilà. Merci. Et dans le chat, du coup, ça te remercie pour cette chronique et ça me demande pourquoi pas de traiter Narbonne pour une prochaine fois. Ben pourquoi pas, voilà, Narbonne qui sort dans le chat. Tu as des comparaisons, voilà, c'est bien, je fais un rapport à... Je pense qu'avec M. Tessier, on fera peut-être un branchement sur la Narbonnette. Oui, bah, c'est un projet de bouquin, ça. Oui, je voudrais faire justement un livre sur la Narbonnette. Hein. J'ai spoilé. ça me motive d'autant plus. Donc là, je suis plus dans le roman, là, j'ai deux romans à finir. Mais après, voilà, je reviendrai donc à une histoire. Et c'est intéressant, parce que ça pose la question, tu vois, comme Macrinus, comme ce que tu dis, de ce mot qui n'existait pas à l'époque, la romanisation. C'est quoi la romanisation? Comment on est romain? Est-ce que c'est imposé, comme on le croit souvent? Est-ce que c'est de l'acculturation? Parce que c'est le modèle culturel dominant. Donc, c'est des questions qui sont intéressantes à poser. La Narbonnaise est une province intéressante pour poser cette problématique-là. On est toujours un peu trop dans le schéma Astérix. Les Romains des Goules, ils défoncent tout. Et puis après, ils disent, voilà, maintenant c'est bon. Il n'y a qu'un village qui survit. C'est le village de Comte. Ah non, Comte, c'est que des Romains.
Donc voilà, s'il y a d'autres questions. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. C'est la majorité qui nous a fait un magnifique jeu de mots, c'est ni fait ni à faire, évidemment. Mais sinon, pas de questions. Non, bah, je remercie le chat en tout cas. Et le chat te remercie, et ça c'est beau. Vraie complicité. Ben, du coup, on va partir sur une chronique que je vais vous présenter moi-même. Et du coup, pour commencer, en fait, petit kiff personnel, petite référence au genre du grenier. Vous avez vu ma collection de timbres ? Je l'ai dans la poche. Et là, vraiment, petit timbre qui va s'afficher pour vous à l'écran. Voilà, la Marianne française, très actuelle, lettre verte. Le timbre un peu plus classique, finalement, qu'on utilise. Alors, ce timbre, qu'est-ce que c'est ? Le timbre, c'est né, du coup, mi-19e siècle. Et c'était pour faciliter, finalement, le transit postal. Quand on a un timbre, en fait, on montre qu'on s'est acquitté de la taxe postale, tout simplement. C'est à ça que sert un timbre. Et ce timbre, en fait, il est porteur, il véhicule un tas de messages. Il véhicule des messages sur la monnaie qu'on utilise, sur les symboles du pouvoir, sur le contexte politique, géopolitique actuel. Enfin, c'est révélateur d'un tas d'indications, et moi, c'est quelque chose qui me fascine. Et c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, je voulais vous présenter cette chronique sur la philatélie. La philatélie, du coup, ben, c'est ceux qui collectionnent les timbres, qui s'y intéressent et qui s'y étudient. Et je vais vous le présenter, en fait, sous un prisme. Le premier, du coup, c'est le prisme économique. Le deuxième, ce serait un prisme plutôt du culte du chef. Et le troisième prisme, ce serait le prisme de la guerre froide. Alors, du coup, un petit jeu qu'on va faire pour commencer, on va parler de la République de Weimar. Donc, la République de Weimar, bah, c'est à la fin de la Première Guerre mondiale, pardon, le régime allemand s'est effondré. On essaie de remettre une politique en place. Les Allemands vaincus, qui doivent une fortune astronomique aux vainqueurs, aux Français. Et il y a un contexte économique qui est relativement tendu pendant cette période, jusqu'en 1923. Et donc, du coup, ce phénomène économique, c'est ce qu'on appelle une hyperinflation. L'hyperinflation, en fait, c'est tout simplement lorsque on injecte plus de monnaie que ce qu'il y a de réelle valeur dans le pays. Et ici, en fait, cette hyperinflation, elle n'est pas née de l'État, elle est née, en fait, des gens eux-mêmes. Parce que l'hyperinflation, en général, ou l'inflation simple, c'est quand l'État injecte plus d'argent que ce qu'il n'en faudrait. Mais là, en fait, après cette guerre, ces gens qui ont vu la mort de près, hein, on est dans un contexte où quand même chaque personne quasiment a perdu un proche, ces gens veulent vivre, ces gens vont profiter et ils vont perdre aussi cette confiance en la monnaie. Et donc, ils vont beaucoup consommer. Il va y avoir beaucoup d'échanges monétaires, si bien que, en fait, il n'y a plus suffisamment de monnaie sur le territoire allemand pour contrebalancer ces échanges. Et donc, du coup, là, l'État va injecter. Alors, nous, notre Marianne, ici, à 1,20€, en général, le timbre, en Allemagne, durant la République de Weimar, c'était le mark. Et donc, du coup, le timbre classique on va vous afficher à l'écran, c'était, du coup, un timbre, 3 Reichsmark, 1 Reichsmark. Ça, c'était ce qu'on avait classiquement, entre 1914 et 1922. Alors, vous voyez à l'écran que de ce petit timbre de 3 marques, hein, on passe à 10, puis à 100. Et là, en fait, c'est là tout le vice de l'inflation, c'est que l'inflation, en fait, fait gonfler les prix. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'arrive plus à se procurer, l'argent est injecté derrière, mais ça fait gonfler. C'est comme nous, on connaît une inflation actuellement légère avec l'euro, par exemple. Et en fait, c'est là qu'il y a ce vice, et que je vais vous faire participer, en fait, c'est que en 1922, en été 1922, on est passé d'un timbre à 1 mark. Donc imaginez que ce timbre Marianne à 1,20€ coûte 120€ d'un coup. 120€. J'aimerais vous faire deviner à quel point l'inflation est allée haut
jusqu'en 1923, et on va jouer au juste prix, du coup. On va jouer au juste prix. Dans le chat, n'hésitez pas à participer. À votre avis, jusqu'à combien on est allé au niveau du timbre? Un timbre tout à fait classique qui permet d'envoyer une lettre. Je vous en prie. Bon, c'est 100 euros, déjà. Oui, alors, en marque, du coup, oui. 100, alors oui, on explose. 1900, oui. On explose 1000. Les 100. Plus. Ouais. On doit exploser les 1000, du coup. C'est plus. Ouais, ouais. Est-ce qu'on explose les 5000 ou quoi? C'est plus. Il y a Zetilador qui me dit, soyons fous, 1 million de marques. 1 million de marques, c'est plus. 100 milliards. Eh ben, on n'est pas si loin que ça. On n'est pas si loin que ça. On envoie les diapos suivantes. On envoie les diapos suivantes. Donc, de ce timbre de 3 marques, eh ben là, je vous le révèle, on atteint 10 marques, 100 marques, et puis du coup, en 1923, une explosion du goldmark. On passe à 500 000, à 1 million, à 2 millions, à 4 millions, à 5 millions, à 10 millions. Et la diapo suivante, eh ben vous allez voir qu'on atteint le milliard. On atteint carrément le milliard. On atteint 20 millions, 30 millions, 200 millions, 500 millions, 1 milliard, 20 milliards. Et petite anecdote. C'est rancoli. Ah oui, non, mais voilà, c'est ce qui était drôle, c'est que aussi on peut faire le même parallèle avec la monnaie. La monnaie ne valait tellement plus rien qu'ils utilisaient les billets pour faire des tapisseries sur les murs. Et j'ai entendu un mythe selon lequel, voilà, quelqu'un rentre dans le restaurant, voilà, il se pose, il commande, bon allez, on va dire le prix 1 million de marques, donc 1000 milliards de marques, et au moment de l'addition, bon, bah, c'est 2000 milliards de marques. Le mec aurait eu le temps de rentrer et de sortir, que sa note aurait doublé, de juste, bon, 1000 milliards, c'est pas grand-chose, hein, disons-le. Eh ben en fait, bon, c'est faux, hein, évidemment, ça grimpait pas, enfin, forcément ça grimpait tous les jours, mais il y avait une réévaluation de la monnaie qui tombait selon quelques mois, donc en fait ça changeait en fonction des mois. Mais si on le répartissait, voilà, sur des jours, effectivement, on pouvait gagner quelques milliards sur une heure, sur une journée, quoi, c'était aberrant. Et pour en revenir du coup à cette situation économique, alors si ça, si imaginez si juste un timbre, voilà, là, vous coûtez 50 milliards d'euros, hein, pour faire le parallèle vite fait avec notre timbre. Imaginez, voilà, je sais pas, votre loyer, votre, voilà, un restaurant, des produits de la vie quotidienne. Et c'est bien que l'inflation, elle a une indice, c'est que une banane pouvait coûter moins cher, pouvait coûter plus cher qu'un plein, en fait, par exemple. Parce que il y a des produits. En fait, c'était tellement devenu des produits qu'on n'exploitait pas. Il n'y avait plus de réelle valeur, il n'y avait plus d'égal, en fait, sur les produits. Et donc, le timbre, il nous renseigne déjà, finalement, sur des conditions économiques, sur une inflation. Nous-mêmes, hein, on peut voir sur le timbre français qu'il y a une légère évolution en euros. Là, je sais qu'il y a quelques timbres où on est à 80 centimes. Et là, on est à 1,20€. Donc, ça fait quand même 40 centimes de plus sur le timbre, ce qui n'est pas négligeable. Donc, la République de Weimar, c'est une chose. Mais dans la suite, on a quand même des timbres qui vont servir au culte du chef. Le timbre, il va aussi mettre en valeur les gens qui sont à la tête du pays. Et alors là, du coup, quoi de mieux pour commencer que de parler de Pétain, voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation, le général Pétain mettait aussi et se mettait en valeur au travers de la philatélie. Voilà, donc par exemple sur le diaporama, vous pouvez voir qu'il y a ce timbre, hein, ce timbre de 1944 où il se met relativement en valeur, rien que ça. Cette carte postale que les gens pouvaient acheter pour soutenir l'effort de guerre. Voilà, vous lisez, suivez-moi, gardez votre confiance en la France éternelle. Enfin, on fait pas plus culturel, quoi. Là, voilà, regardez ce petit regard tourné vers l'avenir, c'est quand même assez sympathique. Pour la suite, la France, hein, quand même en passant sous la Ve République, on continue à quand même garder les codes, hein, que ce soit Charles de Gaulle,
Charles de Gaulle utilise à fond la philatélie et la cartophilie pour faire, entre guillemets, la propagande résistentialiste. C'est fort comme terme, c'est pas exactement ça, mais il se met quand même en valeur. Il met en valeur la mémoire française, comme vous pouvez le voir, et le mythe résistentialiste. Donc là, par exemple, un simple timbre très récent de Guy Môquet, qui a écrit cette fameuse lettre. Mais on a aussi toute une collection de philatélies résistantes hein, depuis la Seconde Guerre mondiale qui est quand même assez arborescente. Maintenant, si on va vers la suite, la France n'est pas la seule à utiliser le timbre hein, pour se mettre en valeur. On a également des pays comme la Chine maoïste, également l'Italie, donc là, voilà, utiliser le rouge bien fort, le grand timonier qui guide son peuple. Le timbre que vous pouvez voir à côté, du coup, c'est censé être un timbre où nous avons un général moustachu à la tête d'un régime pas très gentil. Un chancelier, excusez-moi, avec du coup Mussolini face à lui. Et donc du coup, c'est aussi voilà une manière de représenter le pouvoir. Et quand on voit ça, c'est ça qui est génial avec la philatélie en fait, c'est que c'est de l'art du quotidien, c'est de l'art dans la poche. Vous sortez ça et en fait, quotidiennement, vous prenez une dose de soft power dans la tête. Voilà, tout simplement, c'est ça qui est incroyable. Et oui, le retour du petit moustachu dans le chat, je vois ça. Pour des raisons, et pourtant, Dieu sait que j'aurais aimé vous montrer toute une collection sur ça, mais malheureusement, pour les conditions d'utilisation de Twitch, je ne peux pas. Il y a des dons internes. Ah, c'est ça. Donc, on a aussi dans les blocs de l'Est, les timbres d'une beauté, je trouve ça magnifique. Voilà, donc on a des représentations de Lénine, là, que vous pouvez voir à l'écran, de Lénine, voilà, qui va se montrer vraiment en chef, en guide. Voilà, regardez si vous voulez, hein, c'est magnifique. Les Magyars, donc Magyars, qu'est-ce que c'est? Magyars, c'est les Hongrois, et donc on rappelle que les Hongrois étaient quand même sous l'égide des Russes. Oh, tenez, je vous l'offre. Allez-y, gardez-la. C'est sous l'égide, du coup, de l'URSS. Et donc, du coup, l'URSS qui va envoyer énormément de production de timbres et qui va contrôler l'émission des timbres dans ces pays de l'Est. Si bien qu'on peut voir, hein, par exemple, d'autres pays qui sont tirés sur cette idéologie communiste qui arrive un peu plus tard. On a des timbres de la Corée du Nord. Voilà, vous pouvez voir. Que je trouve fascinant dans leur représentation. Voilà ce but patriotique voilà, qu'on retrouve énormément. Et ce timbre-là que vous voyez de Corée du Nord, je le trouve très intéressant, celui que vous avez à droite sur le diaporama, parce que quand vous regardez ce timbre de Corée du Nord, ben vous voyez que c'est toute la Corée, en fait, qui est mise en valeur. Et ça, c'est quand même une petite pique du régime en place chez les Coréens du Nord. Vous avez également un timbre du Vietnam qui va montrer également son appartenance politique. Et on arrive du coup, quand on voit du coup ces blocs, moi ça me fait penser à la guerre froide, et la guerre froide en fait est très représentée dans les timbres. Donc là vous pouvez le voir à l'écran, ce sont des timbres de la DDR, donc Deutsche Demokratische Republik, donc la République démocratique allemande, qui a pris place après la division de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Et les soviétiques vont énormément aussi envoyer de l'influence dans les timbres qui seront émis là-bas, tout en laissant quand même cette empreinte d'identité. Donc là, par exemple, le premier que vous voyez, il y a quand même une partition, la partition du coup des brigades étrangères, des brigades internationales, pardon. Alors, les brigades internationales, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est sur ce timbre, en fait? Qu'est-ce que ça fait là? Eh bien, on se rappelle la guerre d'Espagne, jusqu'en 1938, où les Allemands sont intervenus, et c'était les légions étrangères qui sont intervenues. Et ces légions étrangères, en fait, avaient beaucoup de partisans communistes. Et donc, du coup, c'est là que le pont se fait, en fait. Ces légions étrangères, elles sont mises en valeur parce qu'on cherche à mettre en valeur quelque chose d'allemand et de communiste. Et donc, les légions internationales avaient tout à fait leur place.
Tu vas chanter la chanson qui est sur la... Ouais, je suis pas convaincu de la chanter là, hein, t'inquiète. Le track, quand même, tu sais. Je pense que t'as pas trop de risque là. T'es sûr? Ouais, tu peux y aller. Tu ouais, non, je vais. Là, tu sais, ligament croisé là. Non, Ah oui, bah oui, certainement que le communisme n'a pas fait autant de victimes. Du coup, quand on regarde à nouveau cet timbre, voilà, la fameuse, donc Freundschaft en allemand, ça veut dire l'amitié. Donc, Deutsch-Sowjetische Freundschaft, l'amitié germano-soviétique. Donc, évidemment, en soi-disant, c'est une amitié, on ne va rien dire. Et aussi, si on regarde bien, la place du soldat, c'est aussi de deux régimes qui ont quand même une armée, et c'est aussi ça qui. La puissance militaire, c'est très important. Mais, pendant la guerre froide, vous savez très bien que ce n'était pas un conflit armé. C'était aussi une bataille sur d'autres fronts. Et donc, par exemple, lesquels? Alors, si on regarde la suite, eh ben, pourquoi pas les échecs? Là, dernièrement, sur Netflix, vous avez entendu parler du jeu de la dame. Et ça m'a fait penser, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas? Mais finalement, les échecs, c'était quand même quelque chose de, voilà, c'est, les États-Unis et les Russes étaient vraiment dans ce conflit. Les Russes en sortaient très souvent vainqueurs, hein, je le dis. Ils étaient très forts à ça. Mais cette représentation-là est très importante. Mais au-delà des échecs, il y a aussi les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'était le théâtre privilégié hein, pour le conflit pendant la guerre froide. Voilà, prouver qui est le meilleur, etc. Mais au-delà de ça, encore une fois, ça n'est pas encore. Ça va plus loin que les Jeux Olympiques. On a l'art. Et les soviétiques arrivent à utiliser des choses magnifiques pour mettre l'art en valeur. Tenez, je vous l'ai fait passer. Voilà, on a de très belles choses, des timbres d'une beauté extraordinaire, où ils mettent des œuvres d'art du 19e, du 20e siècle, des choses très très belles, pour promouvoir du coup la culture soviétique. ICCCP, du coup, c'est le nom soviétique pour dire l'URSS. Pour la suite, l'art, les Jeux Olympiques, les échecs, les forces armées, mais aussi la technologie. La technologie, si on regarde, là, c'est une plaquette, en fait, que j'ai ici. Donc, de base, oui, le timbre se trouve sur un élément papier comme ça, et vous n'avez plus qu'à le détacher. Alors, si vous regardez ça, maintenant, dessus, qu'est-ce que vous y voyez? Vous y voyez les progrès technologiques. Vous y voyez un avion, un monorail, vous y voyez un bateau, et vous y voyez également justement la conquête de l'espace. Et ça, c'était quelque chose de... C'est ma dernière partie, mais j'ai continué sur la technologie avec ce qui suit. On continue. Alors là, vous avez... Voilà, promouvoir l'industrie, promouvoir du coup les technologies, hein, toujours avec les timbres russes vraiment sont très beaux, sont très très bien étudiés, hein, c'est quelque chose de très fort, les timbres russes, je trouve, pour des études comme ça. Donc encore une fois, vous trouvez voilà l'aviation, les appareils à moteur, vous trouvez vraiment quelque chose de très fort là-dedans. Et si on continue, on arrive du coup sur la conquête de l'espace. Alors la conquête de l'espace, c'est quelque chose sur lequel les Russes se sont ruinés, hein, qui a quand même fait une grande poussée technologique jusqu'à nos jours. Et les Russes, même s'il y a des collections de timbres sur ça, bah, finalement ça va beaucoup être les blocs, les pays qui seront dans ce bloc de l'Est, qui vont beaucoup promouvoir ça. Donc là par exemple, encore une fois, j'ai sélectionné des timbres hongrois, également un timbre germano-soviétique qui montre tout ça. Je ne l'ai pas mis dans le diapo, mais il y a des petits timbres qui sont très courants en URSS, qui sont du coup à l'effigie de Gagarine, que j'essaierai de vous poster sur Insta. Et ces timbres, voilà, vous voyez que ça couvre quand même un panel immense. C'est fascinant. Et donc pour finir, si on faisait un cumul du tout de technologie, d'art, de beauté, moi j'ai cette dernière diapo, ce timbre comorien que je trouve extraordinaire de beauté, voilà, je le trouve fascinant. C'est l'allégorie du soleil sur le dernier diaporama.
Donc voilà, vous voyez la conquête de l'espace, vous voyez, c'est vraiment le cumul du tout. Et voilà, j'arrive sur le terme de ma chronique, mais voilà, c'était vous montrer un peu quelque chose qui me fascine, qui me passionne. C'est ce timbre, ce qui l'englobe, que ce soit économiquement parlant, sur les termes géopolitiques, politiques, qui est au pouvoir. On peut faire l'histoire d'un pays, bon, depuis la création du timbre évidemment, mais avec cet outil-là. C'est quand même fascinant de voir comment les gouvernements utilisent ce simple outil pour véhiculer des messages très forts. Bon, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perd un peu, hein, on arrive beaucoup plus sur quelque chose de numérique. Mais il faut savoir quand même que les pays du Proche et Moyen-Orient et d'Asie sont quand même très friands des timbres et les utilisent toujours beaucoup. Voilà, voilà, je pense qu'on arrive sur le terme de ma chronique. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a plu? Faites-moi des retours. Est-ce que vous avez des questions ici même? Intéressant tout ça, mais... Moi, ça me rappelle la jeunesse. Ah oui, la guerre froide, je l'ai connue. C'est les mérovingiens. Ben oui, non, c'était pour clair. Oui, mais en même temps, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu cette troisième guerre mondiale hein, qu'on attendait. Ça va. Nous, on n'avait pas d'équilibre, mais nous, on disait qu'on allait avoir la troisième guerre mondiale pour l'été suivant, parce que du coup, ça allait attaquer le 15 août, hein, ça, c'était prévu. On manquait bien des embouteillages sur toutes les autoroutes occidentales, ils seraient foncés avec leur, pas leur Panzer, mais leur Donc, ouais, mais bah, les mieux, oui, se discuter par les Jeux Olympiques et les échecs. Pour les échecs, je sais pas, mais bon, les Jeux Olympiques, c'est vrai qu'il y avait de bien belles athlètes hein, qui ont bercé ma jeunesse, hein, et qui ont envoyé les lanceuses de poids d'Allemagne de l'Est. C'était, on s'en souvenait, quoi. C'était la séance sport, en fait. Donc oui, c'est bien. C'est vrai que moi aussi, bon, quand j'étais jeune, il y a longtemps, j'étais philatéliste aussi. Et c'est vrai que par le temps, on apprend des tas de choses. Hein. On apprend la géographie, on apprend l'histoire, on apprend la géopolitique, et puis bon, on a un recul sur les collections, bien, bon, c'est un des soviétiques, il y a maintenant forcément plus de 30 ans. Quoi. On voit comment le monde change et évolue. Et on a appris que CCCP, c'était bien l'URSS, et donc pas beaucoup, pas beaucoup, comme le font encore les Mexicains. Non, mais moi, c'est quelque chose vraiment qui me fascine. C'est pas quelque chose qui est très courant aujourd'hui. Je ne vois pas énormément de jeunes philatélistes. Je sais qu'il y en a ici, dans la fac. Mais effectivement, c'est quelque chose qui se perd. Et pourtant, c'est un outil extrêmement intéressant pour des historiens de se baser sur ça. Et voilà, donc si jamais j'ai éveillé de la curiosité, n'hésitez pas à nous faire des retours. Moi, je serais ravi de vous répondre à des questions ou des petites questions même intéressées, quoi que ce soit, moi, avec plaisir. Voilà, voilà. Peut-être poster quelques photos du timbre. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est très intéressant parce que moi, on me dit philatélie, ça m'évoque, en fait, ça m'évoque le père de Kid Paddle, ça m'évoque des BD. Non, ça m'évoque des personnages de BD, mais pas du tout. Voilà, j'ai jamais été, j'ai jamais côtoyé de philatélie. Du coup, c'est super intéressant. Et puis, ouais, il y en a qui sont assez impressionnants. Il y a des formats même très intéressants. Voilà, on s'imagine ce petit timbre carré. Voilà, comme ça, mais dans ma collection, j'ai des timbres en or. Voilà. Voilà, le Yémen, qui en 1960 et quelques, décide d'émettre des timbres qui représentent le Christ, avec une feuille d'or. Ouais. C'est un timbre en feuille d'or qui est magnifique. On peut avoir des timbres gigantesques. Là, par exemple, je crois que j'en ai un. Voilà, donc ça, c'est un timbre de colis postaux, mais voilà, vous voyez, il fait la taille de main. C'est quand même quelque chose qui est assez énorme, et ça peut aussi avoir différentes formes, triangle, ovale. La France, en 98, a diffusé un timbre ballon, donc en forme sphérique, qu'ils ont diffusé, et qui avait très bien marché d'ailleurs. Donc, non, c'est hyper intéressant. Quoi. Il y en a de toutes les formes, il y en a de tous les sujets. Vous aimez les animaux, ben, vous pouvez vous faire une collection dessus. Vous aimez l'art, vous pouvez vous faire une collection dessus. Napoléon. Alors, les Émirats Arabes Unis sont fans de la culture française. Il y a des émissions incroyables, très artistiques, bien meilleures même que faisaient les Russes, que ce que je vous ai montré, sur Napoléon. Il y a des choses magnifiques, je vous montrerai à l'occasion, c'est dingue, quoi. Vous avez vraiment pour tous les goûts. Voilà, voilà. Et ben, du coup, d'ailleurs, tout ça, culte du chef, je pense que ça peut tomber sur ce que tu as à nous présenter. On a bien travaillé les transitions.
Donc, Tom, je crois que tu vas pouvoir lancer ta chronique. C'est ça. Bah, écoutez, la semaine dernière, je vous ai parlé de trucs un petit peu étranges, je vous ai fait des rapports un peu bizarres. Cette semaine, j'ai décidé de vous poser une autre, de vous parler d'autres trucs qui n'ont rien à voir entre eux, enfin, sur le papier en tout cas. Cette semaine, je vais vous parler d'Alfred Hitchcock, de Olaf, dans La Reine des Neiges, et je vais vous parler de la fin de la guerre. Alors, voilà. avec un petit peu de Mickey et de Donald qui vont se ramener au milieu, vous allez voir. Donc, la semaine dernière, je m'étais arrêté sur, justement, la naissance et les balbutiements de l'animation dans l'avant-guerre. Et je m'étais arrêté en vous disant qu'il y avait des premiers courts-métrages qui commençaient à arriver. Hein. Vous avez parlé de quelques réalisateurs. Tischmeyer, qui réalise son premier film à l'époque. Alors, cette semaine, j'ai des petites images quand même, parce que c'est quand même mieux quand on parle de dessin animé de montrer des images. Et en fait, bah, rapidement, très très rapidement, même dès la deuxième partie des années 30, 1937, on a des films qui sont directement commandités par le pouvoir. Alors évidemment, je vous ai dit qu'Hitler, que le monsieur Moustachu, que les dirigeants allemands et son ministre de la propagande étaient tous les deux fans de dessins animés, et ils disent, bah tiens, les Américains font des dessins animés pour communiquer contre nous. Vous avez dans les plus connus qui sont pas facilement sur YouTube, il y avait Beast Wars, j'en ai parlé la semaine dernière, The Making of, tout ça. Et les Allemands disent on va faire pareil et ils réalisent quelques petits films comme ça qui sont très très étonnants à regarder. Alors je vais pas vous diffuser les extraits parce que je suis pas sûr d'avoir les droits et puis en plus c'est des films qui sont un petit peu longs. Mais sachez que vous avez les titres des réalisateurs, tout est trouvable sur YouTube. Donc si jamais il y a des gens que ça intéresse, n'hésitez pas. Vous avez juste à taper le nom et puis voilà. Donc, dans les premiers films qui sont réalisés, à la base, on fait pas tout de suite de la propagande pour montrer qu'on va partir en guerre, qu'on est motivé, qu'on va prendre l'Europe, tout ça. Au début, on fait vraiment de la propagande plus pour diffuser les idées du régime. Le premier film dont je veux parler, il s'appelle Die Schlacht Migershausen, un truc comme ça, hein, niveau prononciation, je suis pas sûr, réalisé par George Wolf en 1937. Et ce film, en fait, c'est un film dans lequel on a une armée de petites radios qui sont très mignonnes, hein, vous les voyez à l'écran, qui décident de prendre d'assaut les villages de Migershausen. Donc en fait, elles sont organisées en armée, elles marchent au pas, il y a une musique militaire super entraînante. Le film est très chouette à regarder, hein, très étonnant, mais mine de rien, c'est, voilà, bon, il y a un bon rythme tout ça. Et elles attaquent un village, le village de Migershausen, dans lequel les gens sont fainéants, ils ne s'occupent pas de leurs vaches, ils ne s'occupent pas de leurs champs, ils passent leur journée à dormir, ils sont maigres, ils sont moches, enfin voilà, c'est vraiment... Un village, et les radios arrivent, s'installent de force dans le village, et à partir du moment où les radios s'installent, les vaches qui étaient rachitiques deviennent énormes et font des pleins de lait, les champs poussent tout d'un coup, les hommes qui ressemblaient vraiment à des squelettes deviennent des grands hommes musclés, beaux et virils. Bref, c'est un message tout simplement pour dire que la radio c'est super important et que tout le monde devrait avoir une radio chez soi. Pourquoi? Parce que la radio à l'époque c'est l'outil principal de communication du pouvoir. Donc, on a des petits films comme ça qui commencent à être réalisés, et puis les films, bah, on va les montrer aux gens, on va leur dire, bah, regardez, les gamins, vos parents, ils ont pas de radio, tu veux que ton père finisse comme ça? Est-ce que tu veux que ton père finisse comme ça? Non, achète une radio. On a vraiment cette idée de communiquer comme ça. Donc ça, c'est le premier film qui est réalisé, et là, les dirigeants allemands sont en mode, ouais, franchement, super, ça marche bien, c'est sympa, c'est joli, on va en faire d'autres. Alors, on va en faire d'autres, le problème, c'est qu'il faut trouver des gens compétents, et qu'il faut que, quand on fait des trucs compétents, quand on engage des gens compétents, il faut encore qu'ils fassent des trucs qui nous plaisent. Le deuxième film, je vous ai pas mis d'image, mais il est trouvable facilement. Il s'appelle Der Torenfried, donc le trouble fait, où c'est l'histoire d'une famille de lapins qui vit tranquillement dans la forêt, hein, schéma classique d'un dessin animé, une fois, un loup attaque. Et en fait, le père lapin est trop peureux pour défendre sa famille. Et du coup, on fait appel à une armée composée de hérissons et de guêpes qui vont venir pour repousser le loup. Alors, les hérissons, ils ont des casques à pic qui font penser au casque de la Wehrmacht. Les guêpes, quand elles volent, elles font des bruits d'avions de chasse qui ont été vraiment enregistrés sur les prototypes à l'époque. Donc vraiment, on voyait que les animateurs, quand je disais qu'ils étaient proches du pouvoir, ils avaient accès à des prototypes d'avions pour enregistrer, pour faire le bruit des guêpes qui allaient attaquer le loup. Et l'armée, puissante armée de la forêt avec des casques à pointe et des bruits d'avions allemands, réussit à repousser l'envahisseur, le méchant loup. On voit les messages qu'il y a derrière. Donc à ce moment-là, on est un petit peu plus tard, on est en 1940. Et en fait, à partir de 1938, entre 1938 et 1940, on n'a pas encore eu l'annonce officielle de la guerre dans l'année 1938, mais on sent, quand on regarde un petit peu les médias à l'époque, que ça commence à arriver.
Typiquement, l'imaginaire guerrier est partout. Je vous ai parlé de ce film, bon, lui, il arrive un peu plus tard, mais sa production a déjà commencé, hein, puisque à l'époque, on est très longtemps à faire un film comme ça, encore aujourd'hui, hein, ça mettrait beaucoup de temps. Mais par exemple, on a des pubs qui commencent à apparaître, par exemple, des pubs pour de l'aspirine, où l'aspirine va littéralement bombarder les microbes dans des scènes de guerre absolument horribles. Alors là, on est sûr que les microbes sont bien morts, en fait. Mais à voir, c'est très étonnant. On a un imaginaire guerrier qui commence à arriver, mais il y a un problème, c'est que tout ça, c'est pas très subtil, c'est-à-dire que bah, le hérisson avec une grosse moustache, un casque à pointe qui va aller taper sur un loup, c'est pas subtil du tout. Et le pouvoir est en mode, non mais nous, on est quand même plus, voilà, on veut aller plus loin que ça. Regardez, les Américains, eux, ils font les trois petits cochons, c'est quand même vachement plus sympa, ils font des trucs, ils ont leurs personnages, il faut qu'on crée nos personnages, il faut qu'on crée nos propres trucs. Les importations sont interdites, une seule solution, créer des studios allemands officiels, gérés directement par le ministre de la propagande. Ce studio qui va être créé, c'est un studio dont l'histoire est assez passionnante, qui s'appelle la Deutsche Zeichenfilm. Donc il y a un studio qui se crée et qui a pour objectif de commencer à faire des dessins animés pour enfants, contrôlés par le pouvoir, puisque bah, l'actionnaire majoritaire du studio, c'est le ministre de la propagande, Joseph G. Donc voilà. Comme je vous disais, il n'y avait pas d'animateur professionnel. À l'époque, l'animation, c'était un truc de publicitaire, c'était un jeu. Et du coup, les gens qui vont diriger le studio, bah, c'est des gens qui ont fait des jeux de société, des gens qui ont fait des caricatures, des gens qui font du dessin presse. On est vraiment sur, j'ai pas envie de dire des amateurs, parce que c'est quand même des gens très talentueux, qui, malgré leurs idéologies, ont fait des trucs qui sont déjà très propres. Mais c'est vrai qu'on est sur des gens qui sont pas des professionnels de l'animation. Par exemple, la personne qui est embauchée pour diriger le studio, elle s'appelle Carl Newman, elle est embauchée parce qu'elle a fait un super jeu de plateau qui s'appelle Wir fahren gegen England, nous allons marcher sur l'Angleterre, hein, voilà, qui est une espèce de risque en fait, sauf que bah, l'objectif c'est d'envahir les peuples ennemis, quoi, tout simplement. Donc du coup ce film il s'installe, on recrute des animateurs, pardon. Et on a quelques interviews de ces animateurs qui nous permettent en fait de connaître un peu le quotidien. On a notamment Gerhard Fieber qui a été interviewé. Si jamais le sujet vous intéresse, d'ailleurs, je vous recommande. Tous les interviews sont dans un documentaire de Arte qui s'appelle « Quand le petit moustachu est rêvé de Disney », on va dire. C'est pas son nom. J'ai fait le cas. Et du coup, la Deutsche Zeichenfilm se met en place. Elle reçoit d'énormes budgets hein, pour l'époque. Vraiment, quand on voit les chiffres et les papiers de la Deutsche Zeichenfilm que je me suis amusé à aller regarder, on est sur des budgets colossaux. Vraiment, malgré l'effort de guerre, on veut réaliser ces films. Et la Deutsche Zeichenfilm met quelques années à réaliser son premier film, Armer Hansi. Donc, vous devez avoir une image d'un petit oiseau qui va apparaître à l'écran. Alors, Armer Hansi, c'est un film qui est totalement inspiré par Disney. C'est-à-dire qu'on a vraiment repris le système Disney, on a repris le style d'histoire, on a un personnage qui est assez proche, on a voulu reprendre le même chara-design, le même style d'animation, et on veut faire vraiment comme Disney. Sauf que, eh ben, Disney, ils ont de l'expérience, ils ont du personnel, ils ont du budget. En Allemagne, il n'y a aucun défaut. Ils ont du personnel, mais pas forcément du personnel aussi qualifié. Ils ont du budget, ça beaucoup, mais ils ne savent pas faire. Et du coup, c'est une vraie lutte pour arriver à faire ce premier film. Alors le film, ça raconte l'histoire d'un petit oiseau qui décide de s'enfuir de sa cage. Sauf qu'en fait, quand il s'enfuit de sa cage, il se rend compte que le monde extérieur est hostile, froid et douloureux. Il va avoir du mal à manger, il n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Il a des soucis, il a des petites peines de cœur. Voilà, on est vraiment sur un oiseau triste qui décide volontairement, à la fin, de retourner vivre dans sa cage. Donc la liberté, c'est bien, mais pas trop. Voilà. C'est un message. On n'a pas, mine de rien, de vraie mention de l'armée allemande. On n'a pas de mention forte de l'idéologie allemande. Dans le film, il n'y a pas vraiment d'antisémitisme. Il n'y a pas de ça. On a une notion d'un personnage qui affronte des ennemis, qui se confronte à l'hostilité, mais on n'a pas tout ça. C'est vraiment l'objectif, c'est d'attirer des enfants dans les cinémas, d'attirer des familles dans les cinémas. Et derrière, on diffuse le film, les gens sont en mode, c'est sympa, c'est joli, c'est mignon. Et puis derrière, bam, propagande, image de la Wehrmacht, et puis on n'en parle plus. C'est plus ou moins l'idée. Le problème, c'est que Armer Hansi, alors, c'est un film qui est, quand on prend en compte les conditions, le temps qu'ils ont eu pour le réaliser, et les compétences qu'ils ont eues, c'est un film qui est assez impressionnant encore aujourd'hui. Mais,
Et ben, je vous rappelle que Léodine Hypernazi, ils sont fans de Blanche-Neige et les Sept Nains. Et Herbert Ranty est très très loin de la qualité de Blanche-Neige et les Sept Nains. Donc on a les principales personnes qui ont travaillé sur ce film, donc Lev Lerer dont on a parlé, Fieber dont on a parlé, qui a été interviewé plusieurs fois, qui est animateur, Tish Miller dont j'ai parlé la semaine dernière, qui réalisait des super films sur des arbres qui se font voler leurs feuilles par des méchants juifs. Donc on a tout ce beau monde qui se retrouve, il le film à Goebbels, et Goebbels dit c'est de la merde. Moi je sais pas, voilà. La presse allemande lui attribue quand même des bonnes critiques, on a un prix, alors il me semble que c'est le prix du festival culturel allemand, c'est voilà, on fait nos trucs. Regardez, c'est quand même le premier film d'animation allemand, produit par le pouvoir, sur un système Disney, mais le film ne convient pas. Et à partir de là, la Lex Action Film, ça devient un enfer, c'est-à-dire qu'ils ont toujours beaucoup de budget, mais il y a des bombardements à Berlin, ils sont obligés de déménager, leurs conditions de travail sont pas incroyables dans le sens où bah, ils sont littéralement les voisins de Dachau. Donc autant vous dire que bah, y a mieux niveau ambiance, surtout pour réaliser des films joyeux et guillerés avec des personnages marrants. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est très marquante, qui est racontée par Fieber du coup dans le documentaire d'Arte lors de son interview, qui dit que ils étaient à côté, ils sortaient, il y avait des odeurs absolument catastrophiques, des odeurs terribles, et en fait, il a fallu que ce soit une de leurs stagiaires qui s'entendait bien avec les gens qui travaillaient dans le camp, qui rentrent et qui viennent leur raconter ce qui se passait dedans, personne n'a cru, et ils sont vraiment tombés des nues quand, quelques années après, il y a eu le camp qui a été vidé. Ils se demandent, on travaillait à côté de ça sans savoir, ils refusaient d'y croire. Ça montre bien que quelque part, dans ce contexte-là, on a certes toute l'idéologie, mais on a aussi des gens derrière, qui travaillent dans leur coin, qui font leur truc, mais voilà, les Allemands aussi sont tombés des nues à l'époque, et malgré le fait qu'on est voisins de Dachau, on ne sait pas forcément ce qui se passe dedans à l'époque, tout est caché, tout est contrôlé, toute l'information est vraiment masquée, et les Allemands ne voulaient pas y croire, tout simplement. Je dis bête. Donc la Deutsche Action Film, elle se met à travailler sur un deuxième film. Alors le film, c'est un film sur un joli petit chien. Alors on n'a pas le film complet, en tout cas pas dans la version parlée de l'époque, c'est pour ça que je vous ai mis un document d'époque qui a été retrouvé en fait par un collectionneur justement de bobines et d'objets d'animation. Donc un document d'époque sur le film Schnuff der Nieser, donc Schnuff la truche, un joli petit chien qui allait être séparé de sa famille et vivre des aventures terribles dans un monde hostile, parce que la famille c'est important, tu dois rester là où tu es. Voilà, c'est un peu l'idée, mais malheureusement ce film ne pourra pas voir le jour, en tout cas sous ce régime-là. Le projet sera récupéré après la guerre, mais la Deutsche Action Film, c'est un gouffre financier, une perte de temps, d'argent, de talent aussi absolument phénoménal, et au final, il n'y a qu'un film qui en est sorti, Armer Hansi, donc que vous pouvez consulter sur YouTube rapidement. Mais c'est pas pour autant que j'ai que ça à vous dire, parce que, vu que quand il y a un studio qui marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On en commissionne d'autres. Vous vous rappelez peut-être, la semaine dernière, je vous ai parlé de Hans Fischer-Kausen, qui était un réalisateur, celui qui faisait les pubs pour les cigarettes en dessin animé. Et Hans Fischer-Kausen, lui, de son côté, il avait créé son propre studio. Alors, à la base, il s'appelait Hans Fischer, mais c'est du Fischer, c'est trop commun. Fischer-Kausen, ça claque. Donc, du coup, il s'est mis à faire son propre studio. Et en fait, lui qui faisait des pubs, uniquement des pubs, il était toujours dans ce logique-là, mais ses pubs étaient super qualitatives. Et du coup, le régime les a approchés en mode, tu veux pas une grosse enveloppe et tu nous fais un film. Alors, ce personnage de Hans Fischer-Kausen, c'est un personnage qui est très particulier. On ne sait pas trop comment il se positionnait. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs études, il y a eu une biographie qui a été faite sur lui. Une biographie qui s'appelle Resistance and Subversion in Animated Films of the Nazi Era, The Case of Hans Fischer-Kausen. Donc en fait, on ne sait pas si ces films étaient totalement... On sait que ces films étaient totalement financés par le régime, mais derrière, dans ces films, si on cherche un peu, on peut trouver des éléments de subversion, voire d'opposition au régime. Le premier film qu'il réalise, c'est Vers une certaine mélodie, La mélodie de printemps, qui est un film que je vous conseille vraiment d'aller voir, les gens qui sont là et que ça intéresse, parce que le film est vraiment très beau, honnêtement. Visuellement, ça claque pour l'époque. Et en fait, la particularité de Fischer-Kausen, c'est que lui, au lieu de copier Disney, il s'est dit je vais faire mes propres techniques d'animation. Donc il faisait des arrière-plans qui étaient peints, où il y avait des petits trucs en papier, des origamis, vraiment il travaillait beaucoup ces trucs, et il faisait passer des plaques de verre devant pour faire son animation. C'était un travail différent, mais c'était un travail très important quand même. Et derrière, il faisait ces trucs comme ça. Le premier film qui sort, Der Wittarte Melodie, sort en 1943, absolument magnifique, qui se démarque complètement du reste. Là, on a vraiment un style, une production
allemande qui ne ressemble pas à une production américaine, en tout cas pas vraiment. Et voilà, l'histoire c'est simple, c'est une guêpe qui arrive devant un phonographe qui a été abandonné après un pique-nique, et la guêpe se dit bah, « je vais me mettre sur mon dard et je vais tourner sur le phonographe, ça va faire de la musique ». Et c'est un espèce de petit clip musical très joli avec des insectes qui dansent tous ensemble, qui font des choses. Sauf que si on cherche bien dans le film et qu'on regarde, on se rend compte qu'en arrière-plan, bah, il y a des sous-vêtements. Donc ça sous-entendrait que le pique-nique, il y avait pas que la partie pique dans le pique-nique, si j'ose dire. C'est pas simple. Le pique-nique a eu une fin particulière. Alors la frivolité n'est pas du tout acceptée par le régime à l'époque. Et puis, mine de rien, eh ben, on nous montre des insectes de races et d'espèces toutes différentes qui dansent ensemble main dans la main, et il y en a même qui sont main dans la main et qui semblent être du même sexe. Donc, est-ce que c'est de la surinterprétation avec un regard actuel? Est-ce que Hans Fischer-Kaussen a vraiment voulu mettre ces trucs dans son film? On ne sait pas. Et moi, j'aime bien croire à l'hypothèse qu'il se faisait financer par le régime tout en envoyant des messages d'ouverture, mais bon, qui suis-je pour savoir? Toujours est-il que le projet, le truc est absolument magnifique, et du coup, le régime leur dit bah, vous êtes trop fort, clairement, vous faites mieux que la Zeichen Film, donc vous allez récupérer un projet abandonné de la Zeichen Film, Der Schneemann. Der Schneemann, le bonhomme de neige, littéralement, il reçoit plein de subventions. Donc là, on est en 1943, hein, l'échec de la Zeichen Film a déjà été constaté, et en 1943, on raconte l'histoire d'un bonhomme de neige. Qui passe la fin de l'hiver dans un congélateur, et puis il sort en été, et il chante une super chanson sur le fait d'être dehors en été, avant de fondre. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, et si vous êtes intéressé, vous irez voir le film, mais moi je trouve qu'il y a une ressemblance assez frappante entre Der Schneemann et la chanson En été, dans La Reine des Neiges. Je ne sais pas si c'est volontaire, ou si c'est juste les histoires qui sont similaires, mais dans les plans, dans la construction, dans la chanson, moi je trouve qu'il y a un truc quand même. Donc je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais allez voir les deux. Franchement, c'est assez marrant. Et il continue, le film, pareil, magnifique, il sort, très très beau, très, très important. Il a un succès phénoménal. L'année suivante, il enchaîne avec Das Dumme Gänslein, donc l'oie stupide, qui elle est le film vraiment des studios Fischer-Kaussen qui correspond bien à l'idée que se fait le régime de films allemands à l'époque, on va dire, puisque c'est l'histoire d'une petite oie qui vit sa vie de famille tranquillement, qui se fait séduire par un méchant renard qui arrive dans le champ sur une musique issue d'une comédie musicale yiddish, il n'y a pas de hasard, et qui va la séduire, voilà, c'est un prédateur à tous les sens du terme, qui l'amène chez elle, puis elle se rend compte en fait, il ramène plein de femmes chez lui, il vole les femmes des pauvres oies, et puis il les mange, il les enferme, il les séquestre, voilà, ce genre de choses. On aime montrer aux enfants au final, à l'époque, mais voilà, on a des messages qui commencent à apparaître de plus en plus, parce qu'en 1943, ça devient compliqué. Hein, ça devient compliqué pour l'Allemagne, ça devient compliqué la guerre, et on commence du coup, en plus des films allemands, à faire produire des films dans les territoires occupés. Alors, les Pays-Bas, ça va être un point important de production cinématographique, d'animation à l'époque. On va avoir deux films qui sont réalisés aux Pays-Bas. Alors, malheureusement, les films, on en a perdu énormément. On sait qu'il y a une branche des studios Fischer-Kaussen qui a ouvert aux Pays-Bas. Et ils faisaient des adaptations de classiques de la littérature allemande. Typiquement, on sait qu'ils ont travaillé sur une quadrilogie autour du Baron de Munchausen. On sait qu'ils ont travaillé sur plein de trucs, mais on en a retrouvé très peu. Ce qu'on a retrouvé, en tout cas en partie, c'est Van des von Vos Reinarde, donc une réécriture d'un épisode du roman de Renard. Dans une logique toujours, ça va bien se passer. Alors celui-là est particulièrement étrange à regarder. Alors on n'a pas le son, le son n'a pas été retrouvé, il y a des versions recolorisées qui ont été faites. En fait c'est un historien du cinéma hollandais qui un jour a retrouvé ce film vraiment sans forcément trop s'y attendre. Donc il y a un article de Barton Egbert et Groneval Gerhard, Van des von Reinarde de 1943, How a Medieval Fable Became a Dutch Anti-Semitic Animation Film. Donc, vous savez, les renards qui sont là, ils sont bien. Et puis, il y a un rhinocéros avec une grande corne et une étoile sur sa robe qui arrive et qui commence à prêcher que c'est bien l'amour, la paix, tout ça. Et en fait, les animaux commencent à tous se marier entre espèces et entre races différentes. Et ça fait des chimères absolument horribles. Donc, le film est horrible, clairement. Mais c'est ce genre de production qu'on avait à l'époque. On a aussi Hoera, Head, Truie de Front, Hoera,
qui est l'adaptation en fait d'un livre pour enfants. Alors là, mon néerlandais est pire que mon allemand, je préviens. Donc ce film en fait raconte, c'est l'adaptation d'un livre pour enfants qui raconte que tout le monde se réjouit parce que les Alliés arrivent et vont les libérer des Allemands. Sauf qu'en fait, quand les Alliés arrivent, et ben ils tuent tout le monde, ils pillent. Enfin voilà, c'est très 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 sympa. On est en 1943, donc le conflit est en train de se tourner. Les Allemands commencent à dire OK. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les gens des pays occupés, des territoires occupés, ne s'allient pas à nos ennemis. Donc du coup, ils font vraiment ces trucs pour dire non, c'est pas vos alliés, c'est nous vos alliés, nous on est là pour vous protéger. Et l'un des meilleurs exemples que certains d'entre vous connaissent peut-être, si vous suivez la chaîne Epic Teaching of History sur YouTube, Nimbus Libéré, donc, qui est un film français de l'époque, enfin en tout cas produit en partie en France, hein, quand vous voyez les doublages, vous comprenez que c'est pas vraiment des Français qui ont doublé. Mais c'est un film qui est très intéressant à voir aujourd'hui, où vous avez l'image en haut à gauche, c'est Mickey, Popeye, et Donald, et Dingo, qui sont dans des avions. Le professeur Nimbus, c'est un personnage de BD qui était populaire en France à l'époque, il est chez lui avec sa famille, il écoute la radio. À la radio, il y a un mec qui parle et qui dit « on arrive bientôt, tenez bon, on va vous envoyer les provisions des trucs ». On se rend compte que le mec, c'est une caricature absolument catastrophique, ultra antisémite. Et pendant ce temps-là, Mickey, Donald et les symboles de l'animation américaine bombardent la maison du professeur Nimbus et le tuent lui toute sa famille. Yes. Voilà. On est sur des films qui deviennent de plus en plus violents dans le sens où l'objectif, là, c'est vraiment de dire aux gens, les alliés, enfin, les États-Unis, l'URSS, ne sont pas vos alliés, ce sont vos ennemis. Regardez ce qu'ils font. Regardez Mickey. Vous aimez Mickey? Il est méchant, Mickey. Il va tuer ta famille, Mickey. C'est ça le message. Donc du coup, on a ces films qui se produisent de plus en plus. Alors il y en a plein d'autres. Je peux pas tous les citer. J'aimerais tous les citer, mais bon, ce serait éternel. Il y en a beaucoup. Je vous invite à vous renseigner. Si le sujet vous intéresse, vous avez le documentaire Quand Hitler rêvait de Mickey. Je l'ai dit, mais tant pis. Qui est absolument qui est absolument incroyable, très très intéressant. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de m'intéresser au sujet. C'est une source super riche. Il y a des interviews, il y a des extraits. C'est très bien narré et franchement, ça vaut le coup d'essayer de rechercher ça. Vous avez quelques bouquins qui sont très intéressants, qui ont été écrits dessus. Vous avez notamment Animation et propagande, les dessins animés pendant la Seconde Guerre mondiale de Sébastien Roffa, qui a été aussi, qui est un très très bon point d'entrée pour parler de ce sujet. Et vous avez un bouquin américain, donc de Rolf Giesen et J.P. Storm, donc qui s'appelle Animation Under the Swastika, History of Trick Film in Nazi Germany, donc 1903-1945, qui a été publié chez Macfarlane en 2012, et en fait c'est un historien du cinéma qui a retrouvé un collectionneur qui avait littéralement tout chez lui, et ensemble ils ont fait un bouquin pour dire voilà, ça c'est ce qu'on trouve dans les archives de tel studio, ça c'est ce qu'on trouve ici. Donc voilà, si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas, c'est super intéressant. Et puis ça fait, c'est toujours un peu surprenant ce qu'on peut voir dans ces films. Alors forcément aujourd'hui avec un œil actuel, la plupart des films sont absolument horribles. On se dit mais comment ils ont pu faire ça? Mais c'est vrai que quand on se place dans une logique, on a vu pareil aux États-Unis, on a vu pareil en URSS. On a vu pareil un peu partout, et encore aujourd'hui, les films d'animation de propagande pour enfants, ça existe. La Corée du Nord est un excellent exemple. Vous avez la série... vous avez une série d'animation allemande qui dure depuis... d'animation nord-coréenne qui dure depuis un bon moment. Ça fait très très longtemps qu'elle est en cours. Avec des petits soldats, tout ça. Vous avez des séries dans plusieurs régions. Et quelque part, le cinéma d'animation est devenu super important. De plus en plus, il l'est. On a pu le voir avec l'explosion des studios Disney, l'explosion du cinéma d'animation japonais, qui aujourd'hui est vraiment mis en avant. Donc le cinéma d'animation a même été encensé dans les plus grandes cérémonies. Quand on prend des films comme La Belle et la Bête, Le Voyage de Chihiro, ce genre de choses qui ont été acclamés dans tous les festivals. Donc voilà, moi si jamais le cinéma d'animation ça vous intéresse, vous, le chat, moi, je me ferai un plaisir de continuer à en parler. Il y a plein de choses à dire, même sur des films très connus. On a des petits éléments qu'on voit pas souvent. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu. Et puis, voilà. C'est une chronique hyper intéressante. Hein. Vraiment, merci, Tom. T'as une question, quand même. Le film, est-ce qu'il était diffusé en Allemagne?
Alors, en Allemagne, il y avait des. Principalement en Allemagne, dans certains cinémas, surtout à Berlin. Mais on pouvait avoir des bobines qui partaient ailleurs. Alors, les films, quand on parle de cinéma à l'époque, il ne faut pas voir ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'a pas des bobines produites en masse, enfin vraiment en masse. On n'a pas, il ne suffit pas d'envoyer le film, on n'a pas des fichiers numériques. Hein. Les films, généralement, étaient diffusés dans quelques cinémas. Et on avait tel cinéma où on pouvait voir ce film, tel cinéma où on pouvait voir ce film. En tout cas, en Europe, ça marchait comme ça. Les films d'animation, ils étaient diffusés principalement dans les cinémas berlinois à l'époque. Mais on a pu avoir des exportations qui se sont faites, surtout pour les très gros projets. Der Schliemann, les films de Fischer-Kaufmann, The Last Action Film, on peut les diffuser ailleurs. Et après, dans le cadre de la propagande, dans les grandes villes d'autres pays, on pouvait avoir un cinéma qui diffusait les films de la Fischer-Kaufmann, par exemple. Donc voilà. Marine Berger qui nous dit la musique des studios Ghibli. Les studios Ghibli, éventuellement, je pourrais vous en parler dans pas longtemps. Mais c'était si vous savez, j'ai travaillé dessus avec une perspective historique. Et c'est vrai que si jamais vous êtes intéressé par les studios Ghibli, déjà, je vous invite à voir l'excellente vidéo de Bolshevik, la face cachée de Miyazaki. Moi, je suis parti de cette vidéo et puis j'ai fait une vidéo historique derrière. Donc si jamais ça vous intéresse, je pourrais en parler dans pas longtemps. Ben, on pourrait même carrément se faire une chronique entière dessus parce que je sais que, par exemple, la musique. Ça me fait penser qu'il y avait le timbre un vecteur de propagande pour la guerre. La musique aussi. La musique aussi. Il y a énormément de chants patriotiques. Je pense à la Giovanezza en Italie. Je pense à Der Blumenrain en Allemagne. À Franco, du coup, en Espagne. Il y a des tas de choses. Donc, ouais, carrément, si ça vous intéresse, dites-le nous qu'on fasse une chronique musicale historique. Et du coup, on pourrait croiser ça. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que, au niveau de l'éducation, on a des petits. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais j'ai ça. C'est une reproduction, du coup, d'un conte pour enfants de la Seconde Guerre mondiale qu'on donnait aux petits Français. Voilà, oui, monsieur le maréchal, un joli conte où on dit aux enfants, voilà, mes enfants, mes chers petits-enfants, avec nous, jurez de faire courageusement votre devoir de brave petit Français, rendre service, être poli, affectueux, doux, courageux, loyaux et discipliné. C'est juré, alors tous ensemble crions, vive la France, vive le maréchal. Après nous, les enfants. et dedans, voilà, on voit le bel héritage français avec le maréchal au pied d'un arbre qui raconte une histoire aux enfants en disant, bon, bah écoutez, dehors les petits méchants. Je suis voilà. Que la statue derrière est absolument terrifiante. Oui, 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 c'est censé être le Saint Louis. Il fait peur, le Saint Louis. Ça pourrait faire un monde dessin animé, ouais, ça. Il y a des tas de choses, en fait. C'est pas impossible que ça ait été animé. On a perdu beaucoup de... Ah ouais, on a perdu des choses. Bah, en fait, alors ça, c'est un truc que j'ai appris récemment. C'est vrai que la conservation du cinéma, la conservation des arts audiovisuels et vidéoludiques, c'est vrai que c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Ça fait partie de notre patrimoine, très certainement. Mais le problème, c'est que soit c'est géré par des entreprises qui ont pas forcément, qui vont pas forcément ça en priorité, soit c'est juste des choses qui sont très fragiles, dont on prend pas forcément soin. C'est-à-dire les bobines de cinéma, à l'époque, c'était très mal considéré. Et il y a des gens qui considèrent qu'on a perdu jusqu'à 80% des films réalisés en noir et blanc. Et encore aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. Typiquement, là, je m'intéresse aussi beaucoup aux jeux vidéo. Typiquement, en ce moment, il y a la polémique avec l'Armée moderne, on a réalisé une super vidéo dessus, avec la suppression du PlayStation Store, les vieilles consoles PlayStation, qui on ne pourra plus acheter des jeux en ligne dessus. Ça pose des vraies questions de conservation. Il y a des associations qui travaillent pour la conservation du jeu vidéo. Mais la conservation du jeu vidéo, du cinéma, c'est des vrais enjeux. Encore plus à l'ère numérique, où on a des jeux qui sortent uniquement en dématérialisé. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment est-ce qu'on fait pour les conserver? On n'a pas de banque, on n'a pas de musée. Il y a des associations qui militent pour la création d'un musée du jeu vidéo national en France avec une vraie politique de conservation. Mais c'est vrai qu'on parlait de patrimoine. Ça fait partie du patrimoine. C'est des sujets qui sont très très intéressants mais très compliqués. Donc on en parle. On a quand même en France l'INA, quoi. C'est l'Institut National de l'Audiovisuel. J'ai eu l'occasion d'y aller il n'y a pas très longtemps. J'étais épaté parce que c'est énorme, quoi. C'est gigantesque comme site. Beaucoup de gens qui y travaillent, il y a évidemment un site qui met beaucoup de choses en ligne, donc on a quand même ça. En France, on a une vraie conscience de notre culture audiovisuelle, en tout cas, mais c'est vrai qu'on a de la chance, mais malgré ça, des fois, il y a juste typiquement un petit film local qui a été diffusé dans trois cinémas,
Il y avait quatre bobines et on les a jetées après, bah, tant pis, quoi. C'est ouais, juste... Bon, après, c'est pas des déchets d'œuvre non plus, quand même. Non, mais ça fait partie de l'histoire, quand même. Ah ouais, bah, c'est toute la question du patrimoine, voilà. C'est ça, c'est la mémoire. C'est la mémoire que aussi. Ah, est-ce qu'on peut tout garder? Parce que la mémoire elle est sélective, et donc le patrimoine aussi, il doit être sélectif. On ne peut pas tout garder. Vous avez dit, si on avait gardé tous les monuments romains depuis l'époque, tout à fait. Ça serait sympa. Mais c'est la question souvent qui est débattue par les amoureux du patrimoine, les professionnels, voire les experts du patrimoine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, est-ce qu'on peut tout garder? Et souvent, on est obligé de faire des critères de sélection, et c'est tragique. Par et même du coup, peut-être le fait aussi qu'on ait cette perte, ça rend plus précieux finalement ce qui nous est parvenu, et ce qui nous donne cette dynamique de vouloir préserver, parce que si on avait tout, peut-être qu'on ne conserverait pas de la même manière. Je pense que là, on va pas partir sur un débat. On va et c'est un long débat. Oui, c'est un prochain épisode. D'ailleurs, je crois qu'on est déjà à 1h40. Ouais. On va bientôt interrompre. Il n'y a pas le BNF qui a la plus mauvaise heure de lutte en France. Alors, si, il y a, en France, comme je disais, il y a une vraie conscience du patrimoine, même le patrimoine récent, d'une certaine manière. Mais malgré ça, il y a quand même des enjeux et des choses à définir, parce que, typiquement, les gens qui n'ont pas acheté certains jeux qui sont en train de dématérialiser sur PlayStation Vita, on sait que cette console n'a pas bien marché, elle sera disponible que sur certaines consoles, avec une durée de vie limitée, parce que, normalement, les consoles, ça, c'est pas éternel, donc voilà. C'est le genre de questions qui se posent. On en parlera une autre fois, parce que là, on en a pour 2 heures, là. Du coup, je crois qu'on va s'arrêter ici. Tom, tu as d'abord un message à passer. Moi, je voulais juste vous dire, aux quelques personnes qui restent, sont des étudiants de l'université de Nîmes. Alors, je suis pas que membre de l'asso histoire, je suis aussi membre du BVE. Je suis élu étudiant au département PLH. Alors, je sais qu'il y a eu une petite vague de panique chez certains avec les annonces d'hier soir. Alors, ne paniquez pas. ça va, on sait pas encore trop où on en est. C'est en discussion à la fac aujourd'hui. On n'a pas encore énormément d'informations, donc n'allez pas harceler vos professeurs ou vos élus ou les gens de votre promo, parce que on ne sait pas vraiment où on en est. Vous aurez toutes les infos dès qu'on les aura. En tout cas, je parle aussi bien en tant que président d'asso, que membre du BVE, que tuteur étudiant. Il y a des choses qui sont là pour vous aider. On est là pour vous soutenir. L'université de Nîmes est là aussi, aussi pour vous, et je pense qu'on va... Je suis convaincu que l'université va essayer de trouver les meilleures solutions pour l'organisation de la suite et de la fin de l'année. Donc voilà. Je sais que c'est un peu anxiogène tout ça et que c'est pas forcément évident, mais je peux pas vous dire rassurez-vous tout va bien aller parce que j'en sais rien. Mais je suis sûr qu'on va essayer de trouver les meilleures solutions, qu'on va travailler là-dessus. Et du coup, c'était pour vous dire bon courage. On devrait s'en sortir et puis. Même si c'est pas facile, il va falloir essayer de voir ce qu'on peut faire. Et puis voilà, quoi. N'hésitez pas à en parler avec des gens si jamais vous en avez besoin. Si jamais vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez le STUMS qui peut vous accueillir. Donc voilà, même si la situation est compliquée actuellement, il y a des choses pour vous aider, il y a des gens pour vous aider. Donc n'hésitez pas à vous en rapprocher. Voilà. Je crois que du coup, nous arrivons sur le terme de l'émission. Déjà, merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Merci aussi de vos retours. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires, des choses qu'on pourrait améliorer, des chroniques que vous suggérez. On prend tout en compte. Et vous prévenir aussi également que la semaine prochaine, on ne sera pas là. On repousse l'émission à la semaine d'après avec quelque chose de vraiment sympathique. Espérons. Mais là, ce serait vraiment du lourd, du très très lourd. Et puis voilà. Du coup. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, HU Asso Histoire Unim sur Facebook, Asso Histoire Unim sur Insta et HU sur Twitter. C'est là qu'on communique. Parler de cette émission à vos proches. Si jamais il y en a qui sont intéressés à découvrir les sujets qu'on traite. D'ici là, on vous dit merci de nous avoir suivis, à ceux qui sont en direct et à ceux qui sont en replay. Et on vous dit à dans 2 semaines pour la prochaine émission. À dans 2 semaines, au revoir. Au revoir.